Alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Seigneur. Sa parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, il est présent au milieu de nous. Sur ce plateau, nous sommes plus de un, plus de deux, plus de trois. Et pour vous qui nous regardez à la maison, je crois que le Seigneur est présent. Il est présent parmi nous. Nous voulons simplement l'adorer, nous voulons juste lui rendre des actions de grâce. Nous voulons lui dire, Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de cet instant. Seigneur, nous ne savons pas adorer. Nous ne savons pas louer. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas chanter. Mais c'est ton esprit en nous qui nous donne la capacité et la possibilité de le faire de manière surnaturelle. Et nous voulons t'adorer en esprit et en vérité. Parce que ta parole dit que tu cherches les adorateurs. L'heure vient où elle est venue, où les adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père cherche. Et si tu cherches, c'est qu'il y en a très peu. Alors nous voulons répondre à cet appel aujourd'hui. Et nous voulons te dire, Père, nous voici. Nous voulons simplement que ta gloire descende, qu'elle nous environne, qu'elle nous remplisse, afin que nous soyons ces instruments entre tes mains, Jésus. Chantons, Seigneur, we go.
parfait. Que ta gloire descende sur nous. Que ta gloire remplisse nos vies.
gloire à son nom. Il est digne d'être glorifié. Peu importe là où tu te trouves, il mérite d'être glorifié en cet instant. Nous chantons gloire. Nous chantons gloire. Car il est glorieux. Bravo, chante, bravo. Il est digne. L'agneau de Dieu est souverain. Il est souverainement élevé. Nous élevons, nous élevons. Nazareth. Je ne te parle pas d'un homme quelconque. Je te parle de l'homme de Galilée. Celui qui a plus de 2000 ans à payer le prix sur la croix de Golgotha. Celui qui a plus de 2000 ans à payer ta rançon à Golgotha. Celui qui t'a dit tout est accompli. Celui à cause de qui, grâce à qui le voile a été déchiré. Le voile a été déchiré pour que tu sois réellement libre. Le voile a été déchiré pour que tu puisses avancer. Le voile a été déchiré pour que tu puisses entrer dans ta percée. Le voile a été déchiré pour que tu puisses être totalement libre en son nom. Il mérite ton adoration. Ce Dieu-là qui nous rend libres. Ce Dieu-là qui brise les chaînes. Ce Dieu-là qui brise les chaînes de la captivité. Laisse-moi te dire que c'est le temps pour toi d'être libre en Jésus-Christ. C'est le temps pour toi d'avancer vers ta destinée. C'est le temps pour toi de passer dans une autre dimension. Jésus a dit à ses disciples, allons sur l'autre bord. C'est le temps pour toi d'aller sur l'autre bord. C'est le temps pour toi de ne plus avoir peur. C'est le temps pour toi d'aller dans une autre dimension. Ah, c'est le temps pour toi d'avancer. C'est le temps pour toi de vivre la gloire de Dieu. Ce n'est plus le temps d'entendre les autres parler. Ce n'est plus le temps d'entendre les témoignages des autres. C'est le temps maintenant.
maintenant de toi-même vivre la manifestation glorieuse de Dieu dans ta vie. Le Dieu qui a fait hier, il est capable de faire aujourd'hui. Il a dit à ses disciples, vous ferez plus que moi. Alors ce qu'il a fait hier, nous sommes capables de faire encore plus. Nous sommes capables de faire encore au-delà. Nous sommes capables encore de faire des choses d'une autre dimension, dans un surnaturel, encore plus surnaturel. Parce qu'il est le Dieu qui brise les chaînes.
chante avec moi ce refrain. Une déclaration que tu fais pour ta vie. Alléluia, allé, j'ai la victoire. C'est la déclaration de ta vie que tu es en train de faire. Alléluia. Après cette déclaration, plus personne ne va te limiter. Après cette déclaration, tu vas avancer dans ta vie parce que tu y crois. Merci. Merci pour ces merveilleux moments qu'il a fait dans nos vies. Nous voulons juste te dire merci pour ces instants, Seigneur, que nous avons passés dans ta présence. Nous te sommes juste infiniment reconnaissants. Que l'honneur, la gloire, la puissance te reviennent à toi et toi seul, au nom de Jésus. Amen.